Eh bien bonjour à tous, c'est Ben Cog et on se retrouve pour le 15e épisode de notre Let's Play sur Planète Zoo, le Zoo de l'Aisne. Donc aujourd'hui, ça sera notre dernière vidéo sur la maison des ours. On va terminer entièrement cette maison des ours, donc tout ce qui est partie intérieure, décoration, la partie restaurant et aussi à l'extérieur, on va faire une petite aire de jeu que vous verrez à la fin de la vidéo. On a enfin terminé, ça m'aura pris 5 épisodes pour faire l'intégralité de cette petite maison des ours, enfin cette grande maison des ours. Et je voulais aussi vous remercier pour tous les nouveaux abonnés. On commence à s'approcher tout doucement des 300 abonnés, donc ça me fait plaisir. J'invite à ceux qui ne sont pas abonnés à vous abonner, c'est entièrement gratuit et ça aide la chaîne à se développer. Je voulais aussi vous parler de la chaîne de Cebus TV, donc je vais mettre le lien dans la description. Il fait un petit zoo sympa, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, ça vaut le détour. Et puis voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, on va pas faire d'anecdotes sur les animaux vu qu'on ne placera pas d'animaux dans cette vidéo. Donc je vais vous laisser profiter de l'accéléré et on se retrouve à la fin. A tout de suite.
Bon voilà, on a terminé avec toute cette maison des ours. Donc je me suis mis en mode visiteur pour faire la visite complète de notre zone. Donc ici, on a commencé ici par les ours malais. Alors, je sais pas si on va les voir d'ici. Donc ça, c'était le tout premier enclos de la zone. Ensuite, on va avancer. Donc vous voyez les affiches, j'ai toujours pas fait les affiches perso parce que j'ai pas trop le temps. Donc bah, n'hésitez pas toujours à m'envoyer des affiches personnalisées et je les mettrai dans le zoo. Donc ici, on ira voir ça après. Donc on a fait une petite aire de jeu. Alors j'ai tout fait à la main. Bon, c'est pas fonctionnel, hein. C'est juste histoire de dire. Là, j'ai fait une petite marelle. Ça, c'est des petites tables. D'ailleurs, je vois qu'ici, elles sont trop hautes. Faudra que je change ça. Voilà, petite barre. Là, les petits pneus. Petite balançoire. Donc ensuite, voilà, ça c'est la façade de la terre des ours. Donc on y reviendra juste après. Avant, on va aller voir par ici. Donc ici, c'est l'enclos des ours Isabelle. Puis vous avez beaucoup plu celui-ci. Voilà, vous voyez, j'ai fermé toute la zone avec les. Donc bien sûr, il y aura des poubelles et des bancs à rajouter, ça j'en ai pas mis assez. Voilà. Et toute la partie sécurité aussi que j'ai pas fait. On va se faire taper sur les doigts par Axel. Donc voilà. Donc on va rentrer à l'intérieur du bâtiment. Ou à l'intérieur, j'ai profité pour mettre des plantes tropicales. Voilà. Donc on va commencer par la droite. Pardon. Donc ici on a l'intérieur des enclos des ours Isabelle. Voilà. Petit bassin ici. Ça habille un peu l'intérieur. On y peut imaginer qu'il y a des poissons à l'intérieur, mais bon, dans le jeu il n'y a pas encore de poissons. Peut-être que ça viendra un jour. Après, on peut en avoir en mode, mais je préfère pas mettre de mode parce que j'ai pas envie de détruire ma sauvegarde. Voilà, des petites vitres ici pour voir le bassin. Des affiches un peu sur le réchauffement climatique un peu partout. Voilà, ici, donc c'est l'intérieur de notre enclos des. Non, c'est les ours Isabelle, pardon. Là-bas, c'était les grizzlies, non? Je sais même plus. Oh, je sais même plus. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est les ours Isabelle ici. C'était les grizzlies là-bas, pardon. Donc, voilà, là, on ressort de l'autre côté. D'ailleurs, là, il faudra. Vous voyez, quand on se met en mode visiteur, on voit des petits défauts, comme ici, par exemple. On va changer ça tout de suite. Pour 2 secondes. Hop. Hop, pareil pour l'arbre. Hop, on va l'enlever. Voilà. Ah, du coup, faut que je me remette en vue visiteur. Voilà. Donc à la sortie du bâtiment, on tombe sur l'enclos extérieur des ours Isabelle. Je vais pas me tromper, on voit des petits bébés là. Alors ils ont décidé d'aller à l'intérieur quand je suis à l'extérieur. Hop, on va aller juste repasser pour voir. Bah, il était là quelque part, mais je le vois plus. Donc voilà, on descend. Donc ici on arrive à la
Elle a vu en bas de l'enclos, avec l'intérieur décoré, pas trop non plus pour pas trop surcharger en pièces. Hein. On pourrait toujours décorer encore plus, hein, mais après c'est le PC qui va plus suivre surtout. Donc on va remonter ici. Donc là ici c'est l'enclos des ours de Taïwan. Il y en a un là-bas juste là. Et c'est pareil, ça fait tout le tour avec des points d'observation. Voilà, un ici. Un ici. D'ailleurs, ils sont juste ici. Je sais pas s'il y a eu des bébés. Et un ici. Donc c'est pareil, il faudra rajouter des bancs, des affiches personnalisées, mais bon, ça prend du temps. Elle est juste ici, lui. Donc voilà, on va en profiter pour aller voir les backstage tout de suite. Donc voilà, tout ça c'est le backstage des enclos. Avec l'entrée de l'enclos ici. Ah bah ouais, bah il y a des bugs ici. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Et l'autre côté, on a l'autre enclos des ours de Taïwan qui sont collés aux ours malais. Voilà. On va passer à... Comment je vais faire? Non, on va se remettre là-bas. Hop. Donc on va aller sur la gauche cette fois-ci. Donc vous voyez ici j'ai habillé en végétation cette partie, petite partie extérieure. Donc sinon encore un point de vue sur les ours malais. Ici c'est un point de vue sur l'intérieur des ours malais. Alors vous voyez j'ai retiré des... Bon là il n'y en a pas. Mais j'ai retiré des petites cordes et du coup c'est bon, ils arrivent à monter, bah voilà. On a juste là. Donc c'est bon, ils arrivent à grimper. J'ai réglé le problème. Ici, on arrive à la partie du restaurant avec la petite vue ici. Alors, j'ai pas encore vu d'ours s'allonger ici. Je sais même pas s'ils viennent, mais bon. Je pense que oui. Donc voilà, des petits posters de nos ours. Ici j'ai mis une petite carte du monde avec tous les animaux répertoriés par continent. Ici encore une vue. Voilà, j'ai ajouté aussi un, comment on appelle ça, un soubassement vert, que ça fasse un peu végétation. Ça habille. Ici on a le resto avec une petite affiche. Bon, j'ai fait simple hein, pour le resto. J'aime beaucoup ça. Cette petite déco murale là. Voilà, avec des posters un peu partout d'ours. Et puis voilà, on a fait tout le tour. Alors je vais vous faire voir ce que ça donne de nuit. Alors on va se remettre en normal. Voilà. Bon oui, il y a des alertes sur les blaireaux qui sont en stress, je sais pas pourquoi. Trop de monde. Donc on va se mettre en nuit, conditions atmosphériques. Voilà, j'avais fait un petit peu d'éclairage sans non plus trop surcharger. Voilà, juste assez pour éclairer notre bâtiment. Pareil pour l'intérieur. Voilà un peu ce que ça donne. Hop, l'extérieur aussi. Donc voilà, eh bien, on en a terminé enfin avec cette maison des ours. Donc je sais pas du tout encore ce que je vais mettre dans les prochains épisodes. Je pense qu'on va continuer à partir par là, hein. Peut-être par ici. Vu qu'on a fait un chemin là, on pourrait faire un chemin qui rejoigne...
Enfin, on verra. On verra, on verra. Je sais même pas encore quel animal je vais mettre. Tout ça, je vais réfléchir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc, on reste dans les animaux d'Amérique du Nord. Il y a quand même l'embarras du choix en Amérique du Nord. Et aussi, il faudra prendre en compte qu'on arrive à la limite du parc ici. Bon, il reste encore quand même beaucoup, hein, mais pas faire la zone trop trop grande non plus si on veut faire quelque chose ici, si on voudrait la diviser en deux par exemple. Donc on verra. Donc voilà, moi j'ai terminé. Merci encore une fois à vous. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!